Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Au Féminin. Aujourd'hui, grâce à cette nouvelle technologie qu'on utilise, nous avons pu contacter Madame Iman Hamdaoui qui se trouve actuellement à Tunis. Et ensemble, nous allons découvrir son parcours et ses aspirations, également ses études, qui sont des études vraiment très authentiques et desquelles elle va nous parler aujourd'hui. Bienvenue dans notre programme Au Féminin. Bonjour. Bonjour et enchantée. Vous êtes actuellement à Tunis et vraiment on est ravis d'avoir employé cette nouvelle technologie. Grâce à elle, on peut vraiment contacter toutes les femmes qui ont très bien réussi leur vie comme vous et découvrir ensemble leur expérience intéressante. Et on commence toujours notre interview avec une carte d'identité, petite carte d'identité, pour vous présenter à notre public. Bonjour, donc je suis Khbel Hamzaoui, je suis pianiste. Donc j'ai fait mes études en piano classique au Conservatoire national de Tunis. J'ai commencé mes études de piano à l'âge de 10 ans. Ensuite, j'ai poursuivi mes études à l'Institut supérieur de musique de Tunis après le bac. Et après la maîtrise, donc j'ai obtenu une maîtrise en musique et musicologie et le diplôme de piano. Et donc par la suite, j'ai eu une bourse du gouvernement tunisien pour poursuivre mes études à Paris en troisième cycle. Alors là, vous avez tout dit. On prend une partie, une par une. D'accord. Comme ça, on va développer tous les aspects, on va découvrir tous les aspects, les facettes de votre vie. On commence avec la période de l'enfance. C'est une période de la vie de l'être humain qui vraiment marque la vie pour toujours. Quels sont vos souvenirs de cette période de votre vie? Alors, concernant mon enfance, j'ai grandi dans une ambiance musicale assez particulière. Parce que mes parents collectionnaient des disques vinyles, des musiques latino-américaines, de jazz, de musique classique. Donc j'ai grandi dans cette ambiance musicale dès l'enfance. Et à l'âge de 10 ans, mes parents m'ont inscrite au Conservatoire national. Et donc c'est là où j'ai entamé les études de piano classique. Très très bien. Alors vous avez commencé ce parcours ou ce périple avec la musique depuis un âge très jeune. Vous avez commencé avec le piano ou vous avez commencé avec l'apprentissage d'autres instruments également? J'ai fait une année préparatoire de solfège et j'ai commencé tout de suite avec le piano j'ai tout de suite accroché et je n'ai jamais pensé à changer d'instrument. Donc c'était le coup de foudre. Très bien. Et pour maîtriser le piano, vous avez besoin non seulement d'étudier, mais également de talent. Parce que le piano, vraiment, exige, pour jouer au piano, ça exige un talent parce qu'on travaille beaucoup de ce que j'ai compris. Et également, c'est un entraînement fatigant. Parlez-moi un peu de cette période de l'enfance, de votre vie, quand vous aviez cours pour apprendre le piano. Comment ça s'est passé? Est-ce que pour vous, c'était fatigant ou vous l'aimez? Est-ce que c'était un défi? Comment ça s'est passé? Je pense que qu'à ce moment-là, je n'avais pas pris les choses en tant que défi parce que c'était naturel. Donc, je trouvais mon équilibre naturellement entre les études à l'école primaire. Oui. Entre la pratique du tennis, parce que j'ai commencé donc le tennis et le piano en même temps. Et donc, tout ce que j'avais de temps libre,
comme temps libre, donc je le consacrais à la pratique du piano, justement, parce que donc on a cours au début 30 minutes Ah. par semaine, mais donc c'est toute la pratique quotidienne. Et donc je pense que par la suite, même si bon là je change je quitte temporairement cette période d'enfance, donc je pense que cette pratique du piano, donc ça nous apprend la discipline et le souffle. Et donc c'est ce que j'ai gagné par la suite, mais donc ça n'a jamais été une contrainte pour moi. Très bien. Et à cet âge-là, comment, si jeune que ça, vous avez décidé de continuer avec les études de la musique et surtout du piano et d'être pianiste? Comment vous avez eu l'idée et comment vous avez pris la décision? Donc moi j'ai eu un bac en sciences expérimentales, donc c'était le moment de décider soit j'allais vers des études de médecine vétérinaire parce que j'ai toujours adoré les animaux aussi depuis mon enfance, mon plus jeune âge. Et donc à ce moment-là, j'allais abandonner le piano parce que c'était impossible de concilier entre des études de médecine vétérinaire ou des études scientifiques et de continuer avec le piano. Ça, d'un autre côté, c'était ma décision. Et de l'autre côté, ce sont mes parents qui ont compris, d'un côté, mon tempérament, mes ambitions. Donc, il fallait mieux que je m'oriente vers la musique pour des études en faculté. Et quand vous avez décidé de consacrer vos études après le bac pour continuer cette maîtrise de piano, et quand vous avez commencé ces études beaucoup plus approfondies, j'estime, est-ce que vous avez découvert ce monde de musique et de piano d'un œil différent? Est-ce qu'il y avait des découvertes? Est-ce que c'était nouveau pour vous sur un niveau ou un autre? Oui, je pense que ce qui a changé, je me rappelle très bien des conseils de ma professeure que je salue, Madame Fussung-Lergay, à laquelle je dois beaucoup. Donc, elle m'a dit qu'à partir du moment où on choisit la musique comme étude, on est vu en tant que professionnel. Et donc, jusqu'à l'âge de 18 ans, je ne connaissais pas ce que c'était le trac. Pour moi, c'était naturel de jouer dans des auditions, des concerts. Mais donc, ce qui a changé, c'est qu'à l'âge, en entrant, quand j'ai entamé mes études à l'Institut supérieur de musique, donc c'est là où j'ai commencé à prendre conscience de ce que c'est que d'être pianiste professionnel. Donc, c'est ce qui a changé pour moi. Très, très bien. Après vos études en Tunisie, vous avez dit que vous avez continué en France. Vous avez fait un séjour en France. C'était pour combien de temps? Donc, les 4 années que j'ai passées à l'Institut supérieur de musique, entre-temps, je partais chaque été en Autriche pour des masterclass de piano. Donc, également, je me suis retrouvée entre deux chemins. L'année de ma maîtrise, soit continuer le piano classique en Autriche, et j'avais l'acceptation des deux professeurs, donc il fallait juste que j'apprenne l'allemand pendant un an, soit donc je continue des études en ethnomusicologie, ou plutôt j'entame des études en ethnomusicologie en France. Donc j'ai choisi la France surtout que j'ai eu la possibilité d'avoir une bourse du gouvernement tunisien.
Et donc, ça a été aussi un tournant dans ma vie, parce que donc, je débarquais du monde du piano classique, de la pratique musicale. À l'époque, je pratiquais 7-8 heures de piano par jour. Et donc, je débarquais dans un monde qui m'était inconnu au début, qui est l'ethnomusicologie en France. Parlez-moi un peu, non seulement de l'expérience du séjour en France, mais de ce domaine d'études, parce que je n'ai pas très bien compris, ça signifie quoi le domaine que vous avez choisi, vous avez choisi pour votre séjour. Donc, en fait, je changeais, plutôt, j'entamais des études en sciences sociales. Donc, Oui. l'ethnomusicologie, donc c'est entre la musicologie, la sociologie, l'histoire de la musique. Donc, on se retrouve en tant qu'autodidacte un petit peu donc à être dans l'exigence donc de toucher un petit peu à tous ces domaines d'études. Et le séjour même en France, vous avez entamé ce séjour, vous étiez seule en France. Est-ce que c'était difficile de passer un temps là-bas, toute seule, loin de la famille, avec, comme vous avez mentionné, un domaine assez nouveau pour vous, peut-être une vie avec un rythme différent? Oui, je me rappelle très bien ma première année à Paris. J'ai été confrontée à plusieurs changements, entre autres le climat, parce que à Tunis, le temps est beaucoup plus ensoleillé. Donc c'est le climat aussi pour moi. Donc c'est de changer de la pratique musicale à l'ethnomusicologie. Au début, j'ai eu des difficultés. J'étais même sur le point d'abandonner ces études et de partir en Autriche. Et le troisième point, qui aura tout changé par la suite, changé tout mon parcours, c'était ma rencontre avec mes amis mexicains, donc à la maison de l'Allemagne, parce que moi, en tant que boursière du gouvernement tunisien, j'avais le droit d'habiter à la Cité internationale de Paris. Donc, j'ai obtenu un brassage via la maison de la Tunisie. Donc, j'habitais à la maison de l'Allemagne. Pendant 3 ans, j'ai habité à la maison de l'Allemagne, à Reichenau. Et donc, c'est là où j'ai connu par hasard un groupe de Mexicains pendant une fête. Et donc, je pense que cette fête-là a eu un impact énorme que je vous, donc, que je vous Comment, raconte oui. par la suite. Expliquez-nous comment vous avez changé d'avis, vous avez changé de vie grâce à cette soirée. Oui, je pense que cette soirée a eu comme l'impact ou l'effet d'une révolution. Parce que donc le fait d'avoir entamé le piano dès l'enfance, d'avoir passé toute mon adolescence à pratiquer le piano. Donc, je n'avais pas vraiment une vie sociale très développée. Et donc, avec les Mexicains, j'ai découvert une musique très particulière pour moi, qui s'appelle le son jarocho. Donc, c'est la musique du golfe du Mexique, de l'état de sud de Veracruz. Et donc, pour moi, c'était la découverte de la joie de vivre. Cette philosophie de la vie, ça m'a causé une sorte de blocage pour le piano classique. Donc, je me rappelle, pendant un an, je ne voulais plus jouer de musique classique. Je me disais que finalement, j'ai pas eu d'enfance, surtout pas d'adolescence, avec ce système tellement rigide que j'avais, donc avec le piano classique et la pratique quotidienne de 7-8 heures par jour.
Madame Iqbal Hamzaoui, vous avez parlé qu'à un moment donné, vous avez fait des changements concernant votre vision de votre vie professionnelle. Et c'était grâce à un contact avec des amis ou avec, si vous voulez, le monde réel autour de vous, que vous avez eu cette idée. Parlez-moi un peu de ce point marquant de votre vie. Comment ça se fait que vous avez eu d'autres visions à propos de votre avenir? Donc, je reviens à cette fameuse fête à la maison de l'Allemagne, donc, là où j'ai connu un groupe d'étudiants mexicains qui habitaient la maison du Mexique. Le lendemain, j'ai été invitée par eux. Et donc, c'est là où je découvre et donc un deuxième coup de foudre de ma vie qui est ce monde-là, donc de danse, de musique latino-américaine au sens très large, parce que durant cette fête, donc, j'écoutais un peu de tout, de la salsa, merengue, mais le déclic, en fait, je l'ai eu avec ce contact avec la musique, donc un genre de musique traditionnelle mexicaine qui est le son jarocho, donc du sud de l'état de Veracruz. Et donc, en ayant écouté cette musique, j'ai eu l'impression d'écouter un genre tunisien, disons maghrébin, donc qui est le stambeli en Tunisie, le diwan en Algérie et les gnawa du Maroc. Et donc, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui lie ces deux musiques. Et donc, à cette époque-là, j'ai entamé un premier travail sur Chypre. Mais donc c'était 7 ans après que j'ai pris la décision, encouragée par mon directeur de recherche, François Picard, donc qui m'a suivi, donc qui a suivi tout ce parcours, tout ce changement pour m'encourager donc à refaire une thèse sur le Mexique. Bon, je pense que je change beaucoup de... Alors là, vous avez décidé de changer du monde du piano classique et de passer à la musique latine. Là, c'est complètement différent. Oui, en fait, j'ai eu deux changements. Donc, du piano classique à mon premier travail de terrain qui est Chypre. Donc, à l'époque, j'ai entamé mon DEA et la thèse. J'ai travaillé sur la confluence des musiques gréco-turco-arabes à travers la musique chypriote. Et donc, en parlant de défis de femmes tunisiennes et arabes, c'est là où je me suis retrouvée confrontée justement à un défi donc de partir toute seule dans un pays que je ne connaissais pas. Et donc, la réalité sur le terrain, que ce soit musical, géopolitique, totalement différente de ce que j'ai lu sur les articles. Et donc, je pense que c'était réellement mon premier défi. Oui, et après la décision, qu'est-ce que vous avez fait? Ça veut dire que comment votre vie professionnelle a changé après cette découverte de ce monde? Et donc, moi, j'ai décidé d'arrêter mon travail, donc ma thèse sur Chypre en 2007, j'ai pris une année de pause. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de mon enfance et de l'écoute des musiques latino-américaines. Donc, je pense que sans le savoir, donc tout est lié par la suite. Donc, je suis partie au Mexique. Pendant 4 années, je faisais des allers-retours, donc de travail de terrain. Je partais deux fois par an pour des séjours de 2-3 mois. Donc, en même temps, au Mexique, j'ai travaillé sur ce genre mexicain. Mais en même temps, Veracruz comme ville, c'est très particulier comme identité musicale parce que c'est un peu la ville jumelle de La Havane. Donc, tout ce qui est, toutes les musiques qu'on entend, c'est des musiques cubaines, c'est la salsa, donc, que ce soit cubaine ou portoricaine. Et donc, j'ai commencé aussi à pratiquer ces musiques, donc encouragée par
par mes amis mexicains. J'ai même joué en 2011 dans le festival Afro-Caribéno, donc j'ai joué un bolero cubain, Dos Gardenias. Et donc, tout ceci m'a servi par la suite. Donc, ma passion, en fait, en tant qu'autodidacte de toutes ces pratiques musicales, de passer du système de conservatoire à un contact avec des musiques entre tradition orale, entre écrites, mais donc de faire tout ce changement. Donc, à partir de 2017, donc j'ai réalisé mon rêve en tant qu'enseignante à l'Institut supérieur de musique de Tunis, donc de fonder l'atelier de pratique des musiques latino-américaines. Donc je l'ai entamé avec un premier groupe. Ensuite, donc là, j'ai quatre groupes totalement différents. Donc un groupe là où j'ai plus de choristes, l'autre là où j'ai plus de violonistes. Donc maintenant, grâce à tout ça, donc on les étudiants à l'Institut supérieur de musique de Tunis commencent donc à s'initier et à pratiquer ces musiques latino-américaines, mais au sens très très large. Madame Iqbal Hamzaoui, je voudrais savoir, de votre point de vue, en contemplant votre vie professionnelle jusqu'à maintenant, selon vous, quels sont les points marquants de cette vie professionnelle ou quels sont les moments les plus chers que vous vraiment gardez en mémoire à propos de votre parcours professionnel? Comment résumer Donc, le point marquant, le premier point marquant, donc je reviens à ce séjour à la Cité internationale de Paris, donc et tout l'impact qu'il a eu par la suite. Le deuxième point, c'était l'achèvement de ma thèse en 2017. Donc ma thèse de doctorat que j'ai soutenue à la Sorbonne. Et donc c'était l'achèvement donc d'une dizaine d'années donc de ma vie professionnelle et même de tout sur tous les plans. Je ne sais pas si je peux parler d'un point marquant, mais je pense que si je résume, donc cette passion que j'ai eue pour le monde latino-américain et le fait d'avoir appris l'espagnol en tant qu'autodidacte, donc ça m'a servi à partir de 2017. Il y a eu trois sessions au festival, donc aux journées cinématographiques de Carthage, sous la direction de feu Régis Maillet. Donc il y a eu une année consacrée à l'Argentine, ensuite le Brésil et ensuite le Chili. Et donc, j'ai eu c'est aussi l'honneur et la chance d'avoir travaillé donc, pendant trois années consécutives, que ce soit en tant qu'assistante pour les échanges et la gestion avec les cinéastes latino-américains et en même temps en tant que programmatrice. Donc, chaque année, il fallait inviter une troupe musicale donc du pays invité et même l'année dernière j'ai programmé 36 concerts de rue, de l'animation de la rue pendant les JCC. Donc je pense aussi c'est un point très important de ma vie parce que je reviens à mon enfance. Ma mère est cinéphile, donc depuis l'âge de 9 ans j'allais régulièrement au JCC. Donc, pour moi aussi, c'était un point marquant donc de lier
mes rêves d'enfance et donc Oui. de travailler en tant que professionnelle au JCC grâce à ce parcours latino-américain. Parfait. Et on passe actuellement à parler d'autres facettes de votre vie. Je voudrais savoir qui est la femme qui vous a inspiré le plus au cours de votre vie. En fait, je dois beaucoup à ma mère, donc qui m'a éduquée en tant que femme libre et d'assumer mes choix malgré un modèle de société, donc des contraintes. Je ne sais pas si je peux, mais j'insiste sur le mot liberté. Donc, ma mère donc m'a beaucoup encouragée à assumer mes choix. La deuxième femme qui m'a beaucoup inspirée, c'est Madame Füsun Ergaïk, qui était ma professeure de piano. Donc, pareil, elle m'a suivie. Elle m'a soutenue durant mon parcours donc pianistique, mais elle m'a beaucoup encadrée aussi ailleurs. Donc, c'était comme une deuxième mère pour moi. Donc, et grâce à elle aussi, parce que j'ai un côté très rêveur dans mon caractère, donc grâce à elle, j'ai pu avoir cette discipline donc au piano qui m'a beaucoup servi, je pense, par la suite. Madame Iqbal Hamdawi, vraiment à travers notre discussion, on a découvert cet amour, cette passion pour la musique de plusieurs facettes et que vous avez fait le parcours, le chemin de plusieurs continents afin de découvrir et de continuer à découvrir cette passion. Et vraiment, c'est un parcours à louer et impressionnant. Mille merci d'être avec nous depuis Tunis. Mille merci d'être avec au féminin. Merci beaucoup et merci beaucoup pour cette invitation et à bientôt. À très bientôt au Caire, j'espère bien, et J'espère bien. on va suivre de près tous vos réussites. Qui sera vraiment connu au monde entier. Mille merci. Merci beaucoup. Au revoir. Chers téléspectateurs, c'était notre émission avec Madame Iqbal Hamzaoui. Grâce à la nouvelle technologie, on a pu la contacter. Elle se trouve à Tunis. Et ensemble, nous avons découvert comment elle possède une passion pour la musique. Et comment elle a su faire un amalgame et une transformation professionnelle entre musique classique et musique latine, toujours avec le piano comme passion et toujours avec la découverte et avec l'authenticité. Merci et à la prochaine édition au public.